Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est lundi. Là il est midi et quart. Ce matin moi je suis allée travailler, Morgane elle est restée seule à la maison parce qu'elle était crevée. Elle a dormi jusqu'à 9h30, à 9h30 elle m'a appelée pour dire qu'elle était réveillée. Elle était fatiguée. Là je suis un peu dégoûtée parce que samedi... On est allé à Alès, on est allé à Action. J'ai acheté ça. On a acheté les piles. Elles marchent pas. Je suis dégoûtée. Bon, là, j'ai reçu une partie de ma commande Chine parce qu'elle arrive en deux commandes. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah oui, ça, oui. Ça, il faut que je le fasse ce week-end. J'ai repris ça pour nettoyer le congélateur. J'en avais acheté une. Je l'ai rangée. Impossible de remettre la main dessus. Mais vraiment impossible. C'est... Je la retrouverai un jour. Mais là, c'est impossible de... J'y arrive pas à la retrouver avec Morgane. On l'a cherchée et tout. On l'a pas trouvée. Mais bon, alors ce week-end... Je vais comme... En plus, j'ai pas Morgane. Là, ce soir, je la laisse à Marlène. Après l'orthophoniste, je la déposerai chez Marlène. Oui, parce que là, cette semaine, l'orthophoniste, exceptionnellement, on a changé les semaines. Et la semaine prochaine aussi. Là, elle a aujourd'hui, ce soir, au lieu de mardi. Quoi, demain. Mais il faut que j'annule celui-là de mercredi, parce qu'on a rendez-vous à l'ophtalmo à 4h15 et à l'orthophoniste à 5h. Et c'est pas possible. Mais bon. Voilà. Ça, c'est pour mettre des couvercles, des casseroles et des cuillères là. Pourquoi les couvercles? Là, il y a les couvercles et pour mettre les cuillères pour éviter que ça aille de partout et que vous déchiez votre évier. D'accord. Ah oui, et ça. Des petits ronds. Comme ça, c'est pour coller des ballons parce que le mois prochain, j'ai ma voisine et celle qui garde aussi ma fille de temps en temps quand j'ai besoin, se marie le mois prochain, en début du mois, et avec c'est sa mère et elle qui font des pros et tout. Et en fait, j'aimerais bien trouver quelque chose pour coller les ballons. Au lieu de mettre du scotch constamment. Et en fait, ça, c'est des petits ronds que vous défaisez, vous collez le ballon dessus. Voilà. J'ai fait, ben, écoute, j'ai fait moi sur Shein, j'ai trouvé ça. Elle me fait, ouais. Elle me fait, ouais, pourquoi pas. Là, j'en ai mis là à peu près. J'ai un autre truc rond, vous pouvez accrocher 3 ou 4 ballons aussi. Pour faire une arche. Et ouais, j'avais commandé que ça pour le mariage. Et là, le reste de ma commande va arriver normalement dans cette semaine. Je pense que jeudi ou vendredi. Ça va arriver. Parce que là, sur ma commande Chine, il y en a pas mal de choses. J'en ai eu pour 152 euros, 153 euros. Mais là, je sais pas pourquoi, je l'ai reçu en deux parties. Voilà. Mais bon, c'est pas un souci. Donc ça, je vais le laver, le mettre ici. Ouais, je vous dis ça, je l'en avais déjà acheté un, hein, mais je l'ai rangé. Impossible de remettre la main dessus.
Mais vraiment impossible de remettre la main dessus. Ah, c'est pas possible, je sais pas. Mais bon, ouais, la Morgane, elle est restée tranquille ce matin. Parce que hier, si vous voulez, samedi, bon, on est allé à l'Alès, il faisait beau. Elle commençait déjà à avoir les yeux un peu rouges. Elle a gratté. Hier après-midi, on est allé aspirer et laver la voiture. Et quand on est rentré, elle avait les yeux rouges, elle était fatiguée. Mais aussi la pauvre, jeudi, on sait quoi, samedi, on s'est levé à 6h pour partir à 7h30. Hier, elle avait les yeux rouges, elle était fatiguée et tout. J'ai fait, écoute, je préfère que tu restes à la maison tranquille. Tu te reposes. J'ai fait, dès que tu te lèves, tu m'appelles. Maman, elle va juste faire deux magasins. Elle m'a appelé, ouais, c'était 9h30 qu'elle m'a appelé. J'ai fait, tu restes tranquille, tu te reposes. Moi, j'avais prévenu Marlène, j'ai dit, Marlène, j'ai dit, tu l'appelleras pour voir comment ça va et tout. Ma voisine, elle me fait, t'inquiète pas, s'il y a un souci, elle peut monter. Mais elle est restée là, tranquille, à la maison, à se reposer un peu plus parce qu'elle était fatiguée. Moi, là aussi, je suis KO parce que j'ai pas dormi. Vu que je m'inquiétais pour mon bébé, avec les yeux rouges et tout, ça, je sais que c'est le problème. Ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas 36 000 trucs, c'est le problème. Mais bon, ça fait chier. Alors là, j'ai pris rendez-vous. Ce problème, c'est que j'ai rendez-vous que le mois prochain pour Morgane, hein, début du mois prochain, le 2. Pour aller voir le médecin pour lui prescrire son médicament pour l'allergie. Mais bon, je pense que je vais essayer de prendre rendez-vous entre deux ou qu'elle me fasse une ordonnance comme ça juste pour les cacher de Morgan. Parce que là, c'est ça va pas trop le faire. Là, cet après-midi, je dois aller à 3h chercher une amie. On va aller à la bibliothèque. Parce qu'elle doit ramener des livres à la bibliothèque et ma fille va en prendre quelques-uns. Et après, j'irai à Hyper U, j'irai lui acheter du sérum fille. Il faut aussi que je lui rachète un shampoing anti-poux parce que hier, je lui ai passé le panier à laver, vous savez, les lentes qui ont un clos là, les petits poux. Et comme cette semaine, je ne l'ai pas, ni la semaine prochaine, vu qu'elle va chez Marlène pendant les vacances, mais je vais en profiter, je vais prendre tous ses draps, ses doudous, les laver à 60. Voilà, comme ça je vais tout laver comme il faut et voilà, pas choix. Non, là en plus je voulais faire, je voulais faire mon ça, je le ferai, je pense vendredi ou ce week-end. Est-ce que j'ai, je sais pas si j'ai dit, j'ai ma soeur, la fois quand je suis chez ma soeur, elle me disait qu'elle, et que c'est mon père aussi qui m'en avait parlé. Et que hier on allait faire des courses et que j'ai acheté un grille-pain parce que Mia l'avait rendu là. Elle fait pas mal de pancakes en grosse quantité et de coffres aussi. Oh, désolée. Et elle congèle. Là il me reste quelques sacs de congélation. Je vais faire pas mal de pancake et pas mal de gaufres. Je vais les mettre dans la salle de congélation. Et elle fait, elle sort un ou deux pancakes et elle met au au grille-pain. Elle fait les pancakes, elle les met deux fois. Les gaufres, elle me fait en général une fois, ça suffit. Mais elle fait, si tu veux plus croustillant, tu mets deux fois et c'est nickel. Elle me fait, dès que tu sors du congé, tu mets dedans. Pas con. J'ai fait, moi, ça, comme ça, ça sera pas mal. Alors je pense que je vais en faire pas mal, les congeler et on verra sortir le matin quand on se lève, voilà. Ça peut pas faire de mal. Oh, purée. Alors là, je vous dis, je suis KO, j'ai du mal à dormir avec mon Morgan. J'aime pas quand elle est malade. Alors voilà, ouais, hier on allait faire 4 courses, bah, justement pour acheter les piles pour là, qui en fin de compte... Je sais pas pourquoi elle ne marche pas, ça m'énerve. Pourtant on a tout fait, on a tout regardé comme il faut, je sais pas. Ça.
Non, en plus, moi. En plus, c'est Morgane qui l'a vu. Elle a trouvé super bien, mais bon. Je sais pas pourquoi elle marche pas, ça m'énerve. C'est ça qui est chiant. C'est comme elle fait la collection des dinosaures et tout, mais tout ce qui est en forme de dinosaure, elle adore. De toute façon, ça, vous le savez très bien. Mais je sais pas, pourtant, il n'y a pas de languette, il n'y a rien à enlever ni quoi que ce soit. Et je sais pas pourquoi. Dans le pire des cas, comme je vous l'ai dit, bah, tu t'en serviras de déco comme ça. Mais bon, ça fait chier. C'est chiant. Bon. C'est pas grave, au pire des cas, je vais en trouver une autre. Aïe. Alors voilà. Et après, on allait à un vide-grenier où on a trouvé bah, des dinosaures, bien sûr. Et quelques petits trucs comme ça, de jouets que vous voulez. Mais mon fils. Mais bon, après on est rentré à la maison. Moi je suis allée m'allonger parce que j'étais KO. Morgane aussi elle s'est reposée un peu, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, mon pantalon, il sent les chiens. Je suis au courant. Monsieur Rastaquetta. Ah oh, voilà. Ah bon. On va passer une journée. Bien en plus il fait du vent, il fait froid. Et oh. Non là, elle a fait. Quand je suis rentrée, elle a fait ses trucs de l'orthophoniste là. À lire ses deux feuilles. Hein. À lire son truc là, chronométré et tout. Parce qu'elle a, elle avait cette partie à lire, là maintenant elle est à cette partie et c'est super. Ah. Elle a fait aussi son écriture, parce qu'elle a de l'écriture aussi à faire. Et c'est cool. Donc, je suis très fière d'elle. Elle est vraiment très fière. Elle fait des gros gros progrès et c'est super. Oh, monsieur, tu peux venir faire un câlin à ta mère. Ouais. On a fait des gros progrès et là, je suis très fière d'elle. Je suis super contente et tout. Et comme toi, je disais hier à Marianne, je suis étonnée. Même à une amie, d'habitude, quand je vais, quand on va à Action ou quoi, Morgane me réclame toujours plusieurs jouets. Elle réclame de prendre des trucs que je sais qu'elle va jamais jouer avec ou elle va jouer une ou deux fois et c'est tout. Mais là, rien. Mais vraiment, rien. Quand elle est à Leclerc, parce que moi, ma Cora, quand on y va, il faut toujours que. Là, quand elle est à Leclerc, elle m'a juste demandé si elle pouvait prendre des mangas. Elle n'a pas voulu prendre de jouets ni quoi que ce soit. Tu fais bon. Oui, en total j'ai pris deux mangas de toute façon. Vous l'avez vu dans la vidéo. Parce que nous, dernier lundi, je la mettrai ce soir ou demain la vidéo. Et j'ai fait, ben oui, tu peux prendre les deux mangas, pas de souci. À Action, je lui ai dit, tu peux prendre un jouet. D'habitude, elle passe du temps, elle panique parce qu'elle ne sait pas quoi prendre, parce que tout l'intéresse ou quoi que ce soit. Rien. Elle avait juste pris, mais je crois que ça, on ne l'a pas montré, une boule de poupée LOL. C'est tout. Elle a juste pris ça. Bon, ses feutres, ça, de toute façon, elle sait que quand on va à Action, je lui rachète ses feutres. Et ses dessins, ça, c'est tout le temps. Qu'en fin de compte, on s'est aperçu que j'avais pris une petite boîte qu'elle avait déjà, mais c'est pas grave. Mais en jouet, elle m'a juste pris un truc en jouet. C'est tout. Et un collier. C'est tout, à Action. J'étais étonnée. Hier,
quand on allait à Adi, d'habitude, elle réclame toujours, comme j'ai même Marlène, elle fait pareil à Marlène, elle lui réclame toujours un jouet. Et là, rien. Et vraiment, rien. À un moment, on est passé où il y avait un truc où il y avait des Legos. Elle fait, regarde, maman, il y a des Legos, c'est des dinosaures. Sans plus. Elle regarde à côté, c'était des trucs de coloriage, de dessin et tout. Elle regarde, sans plus. On va à la caisse. J'ai fait à Morgane, qui va chercher le truc de Lego de dinosaure. Elle me fait, t'es sûre, maman? J'ai fait, oui, va le chercher. Elle me fait, c'est vrai, je peux le prendre? J'ai fait, oui, va le chercher. Elle le cherchait, t'es contente parce que j'avais pris son truc, son Lego, sans qu'elle me demande. Et quand on allait au vide-grenier hier après-midi, j'ai fait, écoute, si tu prends ce que tu veux, vu que tu fais des progrès à l'école, l'orthophonie, ça se passe super. À la maison, c'est nickel. Prends. Mais écoutez, il y a des jeux où elle aime bien jouer. Elle me fait, non, maman, je suis trop grande pour ça. Là, je suis trop grande pour ça. On fait, non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. J'ai fait, ouais. En gros, elle a trouvé un Pop-It, 5 ou 6 dinosaures, et un truc de Peppa Pig où c'est un camping-car jaune de Peppa Pig. Et un petit collier. C'est tout. Ça m'a étonnée, comme j'ai dit à Marlène, j'ai fait. Elle m'a pas fait de caprice. Elle m'a pas dit je veux à tout prix ça, ni quoi que ce soit. À rien. J'étais étonnée et. Je suis très fière de ma fille. C'est incroyable comme elle a grandi très vite. En plus, hier, quand on était au vide-grenier, elle me fait, mais maman, on peut prendre tout ce qu'on veut. J'ai fait oui, mais après il faut le payer au monsieur ou à la dame qui ont le stand. J'ai dit tu peux pas prendre comme ça et partir. J'ai dit il faut les payer. On fait d'accord. Et là, l'autre fois, ouais, c'est hier, elle me dit maman, quand il y aura d'autres vide-greniers, on pourra y aller. J'ai fait oui, si tu veux, il n'y a pas de souci. Purée, j'étais. Waouh. J'étais étonnée, ça m'a. Elle grandit vachement. Purée. Même là, de l'avoir laissé seule, moi, ça me stressait, mais bien comme il faut. Et en fin de compte, elle a déjeuné, elle sait où se trouvent les affaires, les trucs, elle a joué, elle était calme. Nickel. Moment stress pour pas grand-chose, mais j'étais très fière d'elle. Ma fille, c'est une grande maintenant. Oui, c'est une grande, mais ça sera toujours mon bébé. Voilà. Où est mon gros? Ah, voilà. Je suis très fière de mon bébé. Bon, je vais lui faire à manger et je vais m'allonger un peu parce que là, je suis vraiment calme. Ouais, je vous le dis. Oh, heureux! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est mardi, il est tard, il est 17h. Ouais, je vous prends tard aujourd'hui. Ah ouais, je sors de la douche, je viens de me sécher les cheveux. Je vais me préparer parce que je vais passer la soirée avec mon copain. Et ça va faire du bien. Mais vraiment, ça va faire du bien. J'ai pas ma fille cette semaine. Alors le soir, là, on est dit ce soir, on va se voir. Et peut-être toute la semaine aussi. Ça va faire du bien. Voilà, ouais, je vous ai mis un peu plus haut. Ouais, ça va faire du bien de se voir vu que ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Plusieurs semaines même. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était début mars, ouais, ça va faire un mois. Alors là, on va aller se voir, ça va faire du bien. Même si je suis fatiguée et que lui aussi il a passé une journée de merde, ça va faire du bien. Voilà. Alors ma fille, elle, je la récupérerai que demain pour aller à son rendez-vous chez l'ophtalmo. Et après, je la ramène chez Marlène. Et comme ça, je la mets chez Marlène. Moi, je rentrerai ou sinon je retournerai voir mon copain, on va voir
S'il n'est pas trop fatigué lui aussi. Et voilà, ouais. J'ai pas ma fille, alors j'en profite. Je pense à ma gueule. Pour une fois, ça va faire du bien. Ça va faire du bien un peu de penser à soi et voilà. D'être un peu égoïste. Non, parce que ce matin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, mais mes magasins, cet après-midi, mon remplacement et tout. Là, même si je suis KO, je suis fatiguée, j'ai mal de partout, mais j'ai envie de passer une bonne soirée. Bien, tranquille. Voilà, et à penser à rien, même pas au travail, ni quoi que ce soit, ça va faire du bien. Parce que là, on a marre. Mais bon. En plus, là, pour ces rendez-vous, Morgane, l'orthophoniste, elle aura que la semaine prochaine, vendredi. Or, mais est-ce que normalement, elle devait l'avoir mercredi, quoi, demain? C'était pas possible parce que ça tombait à l'heure où j'avais rendez-vous à l'ophtalmo. Elle m'a fait une cahier à l'ophtalmo, c'est important. Et elle, on l'a décalé à la semaine d'après. Ah voilà. Hop là. Non oui, je les sèche pas trop à fond aux sèche-cheveux parce qu'après ça me fait une punaise de tout face. Je les sèche un peu et le reste ça séchera tout seul. Voilà. De toute façon, on va pas la quitter dans mon gilet. J'en ai une dans la voiture. On est prête. Parce que là, mon fils. Tu comptes. Voilà. Hop là. Quand vous avez des chats qui sont en plein milieu. J'avais une chaussette là. Où est-ce qu'ils m'ont foutu l'autre? Elle est là, bien sûr. J'ai les chats, ils jouent avec les chaussettes. Pourquoi il n'y a plus de son? De toute façon, je m'en fous. De toute façon, là, je vais y aller. Oh, on va y aller. Hein? Oui, non, parce que... J'ai une demi-heure de route, même pas. Mais bon. J'ai encore 5-10 minutes. Et après, on y va. De quoi préparer 2-3 trucs, et voilà. Bon. Moi, je vous dis. À plus tard. Bon. Coucou. J'espère que vous allez bien. Ouais. On est jeudi hier. Je vous ai pas pris du tout. J'ai vraiment pas eu le temps. J'ai pas arrêté de courir. Là, comment d'hab, j'attends toujours. Non, hier après-midi, j'ai récupéré mon bébé parce qu'on avait rendez-vous à l'ophtalmo. Alors là, pour une fois, c'était bien. En 3 quarts d'heure, c'était plié. En 3 quarts d'heure, c'était fait. Par contre, ça fait mal à la caisse aussi. Mais bon, après, on allait choisir ses lunettes. Là, c'était plus long. On y passait 1h30 dans le magasin. Parce que mon gars avait flashé sur une paire de lunettes. Et nickel. Ce problème, c'est qu'elle ne supporte pas là, les trucs transparents là. Elle ne les supporte pas. Bon. On est parti sur une autre paire. Alors, sur l'autre paire, c'était compliqué à trouver. Déjà, on arrivait à trouver. Et en plus, j'ai pris une paire de lunettes de soleil adaptées aussi à sa vue. Là aussi, c'était compliqué. Parce qu'il y en a une qui voulait à tout prix. Ce problème, c'est qu'elle était trop grande pour sa tête. Alors, il fallait qu'elle prenne autre chose et tout. Après, il fallait choisir le vert. Si elle voulait marron ou gris. Le temps qu'on fasse tous les papiers avec les assurances. Voir combien ils me prennent, ainsi de suite. Puis, 1h30. Et bon, c'est pas grave.
Là, le mois prochain, c'est moi qui y passe. Là, on va rigoler 5 minutes. Là, c'est sûr. Ça fait 4 ans que je suis pas allée. Ça va? 4 ans que je suis pas allée chez l'ophtalmo. Alors, tant qu'à faire, on va y aller. Ça va faire mal là aussi, mais c'est pas grave. Non, en plus, ce qui est bien, c'est que l'ophtalmo, le docteur, m'a prescrit des gouttes par rapport à mon régal pour ses allergies au pollen. Pour éviter que ça lui pique les yeux et tout. Que ça soit constamment rouge. Et en plus, elle m'a donné des gouttes. Quoi à prendre? C'est des gouttes qui sont désinfectantes, nettoyantes dans l'œil. Comme ça nettoie nickel les yeux. C'est une ordonnance sur un an. Alors, on a dit bon, on prend. Et non, je crois que j'en avais. Oui, j'en ai plus. Alors, j'ai fait. On va prendre quand même. On prend. Et j'irai. J'irai, comment dire? Ah! J'irai lui chercher tout ça tout à l'heure. Quoi? Mercredi, si elle restera en bas. J'irai chercher ça tout à l'heure à la pharmacie. Et voilà. Comme ça, je sais qu'au moins, elle aura des gouttes. Plus des gouttes, elle m'a mis aussi pour qu'elle me fait de... Je ne peux plus retrouver le mot. Comment elle me fait là, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle ne l'a pas fait, mais bon, elle a quand même prescrit des gouttes pour son œil, parce que souvent elle a un œil qui se colle là. Je sais plus. Voilà, il se colle souvent, il est rouge, ça la démange aussi. Mais c'est pas qu'en période de pollen ou quoi que ce soit, c'est aussi l'hiver aussi qu'elle me le fait. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça me reviendra, mais c'est pas grave. Ah, mais bon. Là. Alors après, quand on est sorti du magasin, c'était 6h30, puis je l'ai ramené chez Marlène, et après, je suis rentrée chez moi. Là, demain, tout à l'heure, quoi, j'irai, cet après-midi, j'irai chercher ça quand j'aurai fini le travail. Après, je rentre chez moi, et je bouge plus, parce que je suis KO. Mais vraiment KO. Mais bien comme il faut, mais bon. C'est comme ça. Là, aujourd'hui, je reçois des croquettes de mes chats. C'est mon voisin qui me les récupère. Parce que je suis pas là, ça c'est cool. On me récupère les croquettes. Demain j'ai mon autre commande de Chine qui arrive. C'est aussi mon voisin qui va le récupérer vu que moi je travaille jusqu'à 13h. Et après j'y retourne de 2 à 3. Voilà. Et après je serai en week-end. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, en plus là il fait beau. Et ça donne pas envie d'aller travailler. Mais pas du tout même. Et bon, c'est pas grave, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser parce que je vais bientôt y aller. Et je vous dis à plus tard. Sans stress. Ouh. Des stress. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on est toujours jeudi. Je viens de recevoir l'autre partie de mon colis. Chine. Ouais. Ah. Où est mon fils? Ah, mais là, il y en a. Je ne sais plus, j'ai photo de comment. J'avais commandé c'est des jouets pour les bébés. Une étoile,
sais. Et je sais pas ce que c'est. Je pensais pas que ça faisait du bruit. C'est pas grave. Ah oui, alors ça, c'est pour le mariage là, le mois prochain. C'est des anneaux où vous pouvez accrocher plusieurs ballons en fait. Vous pouvez en accrocher 4. Comme on dit, on prend ça, ça sera avec plusieurs trucs là. Ça sera nickel. Alors ça, c'est pour ma fille, c'est des scratchs. En gros, c'est parce qu'elle s'amuse à... C'est ça que j'ai oublié de regarder à la cure. C'est pas grave, je sais qu'il y en a une à Jiffy. Il faut que je trouve une machine pour plastifier ses dessins parce qu'elle a fait un poussin avec plein d'habits en forme de dessin. Et si vous voulez, elle les a recouverts de scotch et elle a mis un bout de scotch dessus pour enlever et remettre. Alors je dis, je lui achèterai ça et ça sera beaucoup plus simple. Il faut juste que j'achète une plastifieuse pour plastifier tout. Est-ce que sinon, ça va être le bazar. Ah, une bouteille. Ah oui, alors ça. J'en viens de perdre l'autre. Ça. Et c'est pour sentir bon dans les WC. Vous collez ça sur les WC, c'est pour sentir bon. Il y a d'autres modèles. J'ai pris d'autres trucs aussi avec. Il y en a d'autres formats. C'est ça qui pue. Alors, j'en ai un comme ça. Ah ouais, j'en ai deux. Il y en a un pour moi et un pour ma voisine qui m'a demandé. Ça, c'est des sachets que pour mettre dans de l'eau pour laisser infuser et vous mettez vos pieds dedans et c'est pour détoxifier votre corps, c'est bien ce qu'on dit. Voilà. Et celui-là, c'est l'eucalyptus que j'ai pris. Elle a un pour moi et un pour ma voisine. Ah oui, ça c'est celui-là, c'est pour ma fille, c'est pour mettre dessous son téléphone. Ah oui, c'est pour accrocher son téléphone. Hop là. En plus demain, je vais aller la voir parce que j'ai reçu ces coques. Voilà, en gros, ça va faire ça. Désolée, j'ai l'ami qui m'a appelé. Alors ça, c'est celui-là de ma fille. Je l'amènerai demain. J'ai recommandé des lingettes. Je vais mettre dans la voiture. Là, j'ai un petit paquet de lingettes. Mais ça ne donne pas de genre particulier. Je vais en mettre dans la voiture, dans mon sac et dans le cartable de machine. Ah! Ça, c'est des... S'essuyer les mains. Je vais y arriver. Oui, ça, en fait, j'ai craqué, voilà. En gros, vous l'approchez et vous tirez par-dessous. Ah oui, vous avez des petits trucs là. Voilà, vous accrochez comme ça pour vous essuyer les mains, vous mouchez et tout. Ça, c'est pour mettre dans la cuisine. Ah oui, c'est pour le volant. L'autre, il est tout déchiré, tout pété, alors j'en ai recommandé un autre pour le volant. Je le mettrai dans la voiture. Ah, trop bien.
des cotons pour se démaquiller. Voyez, des carrés et des ronds. Plusieurs sortes. Alors ça, je le voyais plus grand. C'est pour procucu d'amour. Et c'est à elle de le faire. En gros, c'est ça. Et c'est à elle de le construire. Il y avait plein de petits trucs comme ça. C'est à elle de le construire en fait. De le faire, de s'amuser. Vous avez ça aussi. Comme un petit livre en fait. Mais elle va s'amuser. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ah, vous avez de la mousse et tout. Elle va s'amuser. Il faudrait que j'achète de la colle. Du scotch, on va voir qu'on peut commencer. Voilà. Ben, on verra tout ça. Voilà, ça aide de le faire ça. Je l'amènerai demain chez Marlène. Elle se débrouillera avec des bubbles pour les bébés. Pikachu! Pikachu! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, il faut que ça soit tout moelleux pour Pikachu. Il n'aime pas. Et c'est vrai qu'il est belle comme ça. Un temps, il m'est ramené. C'est mon bébé. Il adore jouer avec. C'est bien mon amour. Oui. Vas-y. Et en fait, là où je les achetais à l'animalerie, il n'y en avait plus. Il n'y avait que des durs. Il n'aime pas les durs, il faut que ça soit mou. Alors là, j'en ai un stock. Ah, mais il adore ces balles-là. Un temps, il venait, il allait les chercher. Enfin, je remettrai plus tard. Il est muté dans sa... Il venait sur le canapé, il fallait que j'aille le jeter, que je le jette, il me l'a ramené et tout. Il adore ces balles-là. Alors quand j'ai vu, j'ai fait, on va le prendre. Ça, c'est pour accrocher les lunettes pour mettre dans la voiture. C'est aimanté. Voilà. J'ai accroché ça au pare-soleil. Ouais. Ça, c'est dans la voiture. Mon bébé, avant que je lui achète sa gourde là en forme d'ours, elle avait vu celle-là. Elle me dit même, maman, il faut quand même que tu la prennes parce que comme ça j'en aurai une autre à la maison. Elle fait, je pourrais en prendre une à l'école et l'autre, ben, elle est pour toi. Que moi je prendrais celle-là ou je prendrais celle-là, on verra avec Choupi comment on va faire. Alors comme ça voilà, j'en ai une pour la maison, je pense qu'elle va garder celle-là pour la maison. Donc, il y en a une pour l'école, je pense qu'elle prendra la plus petite ou c'est la lycée là, et voilà. Et l'autre je la prendrai moi pour cet été. En plus celle-là, alors, sur d'autres sites, vous l'avez presque 20 euros. Là, je les ai payés, même pas 10 euros. Parce que là, avec le ce que je vous avais montré avant, les 4 trucs plus là, j'en ai eu pour
230 ou 240 euros. C'est les lingettes pour faire le sol, pour laver le sol. En gros, c'est le pro du sol. Mais en lingette, vous mettez dans l'eau, ça se dissout tout seul. Comme ça, j'en ai une pagaille. J'ai racheté des élastiques. Des petits trucs comme ça pour nettoyer les gourdes, les pailles. Ça, c'est utile. En plus, ce qui vient, c'est qu'il y a un anneau. Ça accroché, ça sera nickel. Je me suis racheté des couverts. Je les ai vus, j'ai fait. Non, je peux les prendre. Ils étaient pas chers. 8 euros les, le tout. Bon, il y avait plusieurs couleurs, mais. Moi j'ai pris cette couleur. En noir. Comme ça. Elles sont simples. Je ne me suis pas pris la tête. Vous avez les fourchettes, les cuillères à soupe. Et... les couteaux. Moi je ne me prends pas la tête. Je prends simple. Couteau, voilà, ils sont comme ça. Tout en noir. Alors vous avez aussi, vous pouvez le prendre. Hein, il y avait rose, gold ou or ou argent. Moi j'ai pris tout en noir. Une fourchette, ils sont comme ça. De toute façon, vous savez que j'adore le noir alors. J'ai pris la même couleur. Comme ça. Ça va passer au lave-vaisselle. Ou je le lave comme ça. Et les cuillères à soupe sont comme ça. Elles sont pas bonnes. Franchement, j'adore. Ça, je les laverai avant. Alors, j'en ai 2, 3. Ah, les autres doivent être trop faux. Ok. C'est des pinces en forme de dinosaure. Voilà. Alors j'en ai une. Parce qu'au début, j'ai dit, oh, je vais en prendre qu'une. Elle fait, mais maman, prends-les toutes. Une deuxième. Et c'était vraiment pas cher. Comme ça. Et j'en ai d'autres qui doivent être au fond. Ah! Alors celle-là, c'est laquelle? Alors, je sais plus, celle-là, je crois que si, celle-là, c'est, je crois que c'est pour mourir. Non, celle-là, je crois que c'est qui va derrière la télé. C'est une guirlande qui s'allume, qui fait une petite couleur, là. Vous pouvez changer la couleur. J'en ai pris une pour mettre derrière la télé. Et j'en ai pris une pour Mauriane pour mettre dans sa chambre. Mais je sais plus laquelle est pour derrière la télé ou pas. Alors, je vais regarder ça tout à l'heure sur... l'appli. Je crois que c'est celle-là que je dois mettre derrière, que ça va être derrière la télé. Non, parce que sur
Là, j'ai pris 2 mètres pour mettre derrière la télé. L'origan, je lui ai pris, je crois, 3 mètres pour mettre dans sa chambre. Les 2 mètres, je les ai payés 2,50 € et les 3 mètres, je crois, je les ai payés 3 €. Voilà, pas cher. Alors ça, avec ça, c'est pour maman. Celui-là, c'est pour maman. Elle se l'a acheté pour... Ah, moi, j'ai pris celui-là en forme de cœur. Pour accrocher, vous savez, derrière sur le téléphone. Pour pas le perdre. Ah non, mais moi je bouge. Hop là. Je vais le montrer tout à l'heure sur mon téléphone. Ah oui. C'est pour nettoyer les dents, entre les dents, les petits fils. Mais il y en a plus. Je t'ai tout donné, les babelles. Tu veux tes babelles? Tu les aimes où, tes babelles? Tu veux les babelles? Tu veux les babelles? Tiens, va chercher ta babelle. Tu es taré avec ces balles. Oh, que tu es beau, mon fils. Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est pour maman. C'est ça. Ils sont à la main. Hein, mon fils? Alors, et ça, j'ai pris pour ranger toutes mes cartes. Mais comme ça. Vous savez, c'est pour ranger toutes les cartes parce que j'en ai marre de les avoir dans mon portefeuille et que je les perds. J'ai comme ça, au moins, ce sera nickel. Ça aussi, ça va aller dans la voiture. Alors, ça. Hop là. Douce. Ils sont excités, les bébés. Ah. Vous avez plusieurs embouts différents. Parce que j'ai le lit de ma fille qui se défait et c'est des embouts ronds comme ça qu'il faut. Oh, je vais trouver ça, je vais acheter ça, ça sera nickel parce que j'en ai marre de tout le temps demander à mon voisin ou quoi que ce soit. Et comme j'ai déposé mon dossier pour déménager, comme je dis, comme si je suis. Voilà, j'aurais pas peut-être des voisins comme j'ai eu, comme j'ai là. J'ai au moins comme ça, j'ai un truc exprès pour visser le lit de ma fille. Visser les petits trucs que j'ai besoin ou pas. Alors, ça, c'est le gilet de ma fille, je crois. Oui, il y a le gilet de ma voisine qui avait vu un pas trop cher qu'elle m'avait demandé que je lui commande. Oui, ça c'est le gilet pour, de ma fille pour le mariage. Par-dessus sa robe rouge. Ça ira. Oh la vache! Oui, ça c'est un petit lapin pour mettre sur les WC pour sentir bon. Ah, vous avez les autocollants là. Une odeur spéciale quand même. Ah, voilà les autres barrettes. Je vais les ramener de manière avec. Comme ça. Allez! Voilà, elle va être bien. Elle va être cool. Ça va là. Les trucs pour nettoyer les vaisseaux. Moi, j'ai un fait un stop. Oui, j'en avais vu. C'est les têtes là. C'est les têtes comme ça que vous accrochez pour nettoyer les WC. Comme ça, j'en ai. Ça, j'avais rangé tout à l'heure.
Mais ma Fifi. Voilà, ça c'est gilet pour ma voisine, pour le mariage aussi, qu'elle m'avait demandé. Elle a pris comme ça, son gilet. Voilà, tout simple. Blanc. J'irai lui donner. Ah oui. Vous savez que je refais la cuisine et pas de cake ici. Comme ça, du. Et j'ai trouvé une spatule plus grande pour faire les crêpes aussi. Et là, ce week-end, il faut que je fasse pas mal de pancakes. J'ai retrouvé, mais j'ai pris une spatule. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Oui, mon bébé. Non, parce que c'est facile, quoi. On arrive au fond du capot. Mais là, j'y voyais plus mon feuille. Et je me suis pris ça. Aïe! Comme j'adore manger les melons et tout, pour faire les boules, pour faire des salades de fruits. Ah oui! Pika, plume! C'est ça que t'avais senti hein? Oh oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Tiens, vas-y, prends le gros bébé. Vas-y. Vas-y, prends le gros fils. C'est des bouts de bois. Non, mon bébé. Alors, ce piquet vient de faire de venir sur moi. Limite se coucher. C'est la première fois qu'il me fait ça. Ça, oui, c'est pour les chats. Non, non, ils aiment pas du tout, non. Mmh. Ah oui, c'est vrai, j'avais repris des lingettes aussi. J'ai fait plusieurs fois ce paquet de lingettes. Des petits formats pour mettre dans les sacs. Ça. Et comme ça cela je mettrai plutôt dans les sacs à main et dans le sac à la machine. Ah oui, je me suis racheté une ceinture. Parce que oui, si je vous l'avais déjà montré, la robe que je vais mettre au mariage. Et je vais mettre une ceinture par-dessus pour que ça fasse nickel. Et comme j'ai eu, ça peut aussi aller sur mes autres robes. Je l'ai trouvée super belle comme ça. Elle n'est pas trop haute comparée à l'autre. Et quoi, pas trop haute là au niveau des élastiques. J'ai trouvé celle-là super belle. Alors, je mettrai celle-là pour le accrocher sur la robe pour le mariage. J'y ça fera plus habillée. Et en même temps, comme je dis, je pourrais la mettre sur mes autres robes que j'ai chez moi pour cet été. Je me suis pris ça aussi. Alors oui, je l'avais pris pour le mariage aussi. Mais j'aime bien. Aïe, j'en avais un qui s'était cassé. J'avais mis une fleur, mais elle s'était cassée. Et on se dispute pas. Ah.
peut y arriver. Moi, je vais avoir la plupart de mon petit moment. Ça. J'en avais une en forme de rose, mais elle s'est cassée. Non, celle-là, ouais, elle n'est pas prête de se casser parce que c'était tellement fin qu'elle s'est cassée. Et alors, j'ai pris celle-là et je la mettrai pour le mariage aussi. Voilà. On verra derrière. Il y a deux perles rouges. Oui, parce que le thème, c'est rouge. Et moi, je suis hors thème total. Alors, hein, là, il y a une perle rouge et mes ongles rouges. Et ça ira très bien. De toute façon, je suis jamais dans les thèmes. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'avais repris ça. Les patchs pour mettre sur le front. Voilà. On est très peu plus là. Je les mettrai par la boîte. Alors, il y a un dinosaure qu'on montre aussi dans les WC. Un tigre. Et un lapin. Grenouille, je vais y arriver. Ah, et une grenouille. On y est presque à la fin. On y est presque. C'est pour faire le... Pour mettre mes pieds dedans. Enfin, je vais faire les sachets. Voilà. J'avais pas de bassine, mais alors j'en ai acheté une. Doucement. Ça vous rend taré ou quoi? Là, je pense avoir trop de papier. Vas-y, Plume, fais tes dents, ça va te faire du bien. Je veux dire qu'il y en a qui sont faux. Je sais pas la musique de là. Ah, voilà, ça c'est l'autre partie pour ma fille. Je crois que ouais, c'est celle-là pour ma fille. Non, ça doit être celle-là pour derrière la télé. Je regarderai tout ça. Ouais, ça doit être celle-là pour derrière la télé. C'est pour Morgane qui a besoin d'une télécommande. Doucement, mais oh, battez pas pour un bâton, il y en a d'autres. Alors, il y en a deux boîtes. Alors, ça. C'est pareil, c'est à mettre dessous les pieds. Il y en a une pour moi, une boîte pour moi, une boîte pour ma voisine qui m'avait demandé. Vous savez, c'est des patchs comme ça que vous mettez et que vous faites tenir avec ça. Voilà. Alors, il y en a une pour moi, une pour ma voisine. J'ai acheté des bracelets. Pour ma fille et moi. Un noir et un blanc. Avec une tête de chat. Alors Morgane de prendre le blanc et moi je prends le noir. Et c'est pour... voilà. Pour elle et moi. Un truc de mère-fille.
Il y avait des bagues, mais... Des bagues, ça ne me disait pas trop. Alors, j'ai pris plutôt les bracelets. Et l'autre, je les donnerai demain à ma fille d'amour. Comme demain, je vais aller la voir. Doucement! Et vous en avez 4 bouts de bois, vous n'allez pas me saouler? Je lui donnerai. Oui, c'est un truc entre mère et fille. J'ai acheté des. Boîte pour mettre ses sandwichs. Quand... Est-ce que là il va faire beau? Oh, purée. Ça va être la saison où ils vont encore. Où ils vont faire pas mal de pique-niques. Et c'est vrai que. Il y en a quelques-uns où quoi que j'y dis que je lui ferai. Et même là cet été, comme je vais pas prendre de remplacement, que j'ai dit ben on ira faire des pique-niques. J'ai pris 2 boîtes pour mettre ses sandwichs. Comme ça. Transparent. Comme ça, les sandwichs ne seront pas abîmés au lieu de les mettre dans du papier alu ou quoi que ce soit. Au moins. Alors ça, ça, en gros, vous mettez votre téléphone dedans et vous pouvez doucement. Oh les femmes. Et en gros. Ah, j'ai le truc qui s'est bloqué là. C'est pour mettre votre téléphone pour regarder votre téléphone quand vous êtes sous la douche. Oui, parce que comment dire que moi c'est souvent comme téléphone quand je suis sous la douche. Bon, il ne faut pas beaucoup. Vous mettez votre téléphone. Vous fermez et je crois que c'est ça qu'on met là. Et voilà. Parce que c'est vrai que moi, on a le shit de m'appeler quand je suis sous la douche constamment. Et c'est vrai aussi que j'aime bien écouter la musique quand je suis sous la douche. J'avais déjà acheté un haut-parleur que vous collez là. Waterproof là, sous la douche. Mais en fin de compte, s'il a un peu d'eau ou quoi, au bout d'un moment, mais ça marche. Alors j'ai pris ça. Comme ça, je peux écouter ma musique et on peut m'appeler. Il n'y a aucun problème sur la douche. Ici, je vais sortir. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est sa boîte aussi à pique-nique. Je vais acheter une boîte à pique-nique aussi à mon égard. Que le mois prochain, je dis, je vais m'en acheter une aussi. Comme ça, quand on ira faire des pique-niques toutes les deux en week-end cet été, je lui ai pris une boîte comme ça. Ouais, c'est une boîte à lunch, ils appellent ça. Ah. Vous ouvrez et le dessus. Bon, il y a des baguettes. Vous avez la petite cuillère, le couteau et la fourchette. Voilà. Franchement, non, ça reste bien fermé et tout. Voilà, compartiment comme ça. Ben écoutez, ouais, c'est pas mal. Si je lui fais une salade ou quoi, ben elle pourrait avoir sa salade tranquille, son petit dessert, sa compote, au lieu que tout s'abîme dans son sac. Ben au moins tout sera là-dedans. Et même quand on fera nos pique-niques et tout, ça sera nickel. Ça, par contre, je sais plus du tout.
ou à puer. Ah oui, c'est bizarre. C'est des éponges. Oui, il y en a 50. Comme ça, j'en ai et j'en ai. Et je suis tranquille. Oui, oui. Non. Oh, ça me regarde. Je crois que je le perde. Ah, voilà. Au moins. Là, je suis tranquille. Quoi? Là, on va ranger. Je vais trier ce qui va chez ma voisine, ce qui va avec moi. Pour ma fille, je vais mettre dans sa chambre. Et voilà, je suis contente. J'ai reçu ces boîtes. Et pour ces pique-niques. Ah non, parce que comme ça, je lui dis, ça va être nickel pour mettre des sandwichs dedans. Et c'est super. Moi, j'en ai eu ouais, pour 200. Même pas 240 tours. Mais je crois que c'était 230 tours. Un truc comme ça que j'en ai eu pour tout ça. Bon. De toute façon, là, le mois prochain, je repasserai une commande, mais que de vêtements. Pour Morgane et moi, pour cet été. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Bon, mais écoutez. Un gros colis. Moi, maintenant, je vais m'amuser à tout ranger. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Téna, doucement. Doucement avec la plante. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est vendredi, il est 15h, et ça y est, je suis en week-end. Ça y est, j'ai fini, quoi, ça fait 10 minutes. Ah non, il est 15h05, pardon. Ouais, ça fait 15 minutes, même pas, que je suis à la maison. D'où tu rentres, toi? J'ai un frelon à ma maison. Oui, de toute façon, j'ai la chambre de ma fille qui est ouverte, la cuisine qui est ouverte. Je suis arrivée, j'ai tout ouvert. Je me suis changée, je me suis mis en robe parce que j'ai horriblement chaud. Téna, doucement! Je veux pas trop que tu joues avec. Maman s'en occupera, ma fille. Maman va s'en occuper tout à l'heure. Je sais pas comment, mais maman va s'en occuper. Je veux pas que tu t'en occupes. Et j'ai étendu ma machine à laver. J'en ai une autre qui est en train de tourner là. Je me pose 5 minutes. Je vais ranger mon lave-vaisselle que j'ai mis à tourner là ce matin. Ranger les 4 vaisselles que j'avais fait hier. Et après, je ne bouge plus. Voilà. Assez fatiguée là. Fatigué et il fait chaud. Mais bon, là tout à l'heure, je suis allée voir mon bébé. Je suis allée lui apporter les trucs que j'avais reçus sur Chine et sa coque de téléphone. Elle était trop contente. En plus, elle était contente vu qu'on a le même bracelet. Mais elle était trop contente. Bracelet Murphy. Mais bon, là au moins ça c'est fait. Elle a tout. Elle m'a demandé quand est-ce que je la récupère. J'ai dans une semaine pile, je te récupère. Je la récupère vendredi prochain. Et après, ça sera de la rentrée. Voilà. Mais bon. Oh là là. Si j'ai son. Sa peluche à essayer de faire au crochet. Que j'avais acheté à Action. Ou quoi, pas Action, à Leclerc. Je sais pas trop où il faut faire ça. Ouais, j'ai des cartons. Oui, je garde des cartons comme ça. Je les aurai quand je vais déménager. J'aurai pas alors, toi. Allez, t'es où? Non, mais t'es couillon, toi. Là, allez, dégage. C'est bon. C'est bon, ma fifi, il est parti. Il s'est envolé.
s'est envolé. Oui, il n'y a plus. Il veut que je fasse ça. Mais moi, ça, le crochet, faire le gros truc comme ça, je sais pas faire. Mais bon. Et j'ai vu qu'il y avait la notice. Mais je crois que je vais chercher sur internet, ça ira plus vite. Et le pire, c'est que elle a vu que je fasse les autres comme ça. Et en plus, elle a vu sur internet qu'il faisait ces groupes de K-pop qu'elle aime bien, comme les BTS, les AT et les Stray Kids, en peluche comme ça. Et elle veut que je lui fasse. Je l'aime, ma fille. Mais déjà, il faut que j'arrive à faire juste ça. Celui-là. Alors, j'ai dit que je lui ferai ce week-end. Tarot, le dino. D'accord. Mais je vous jure, on va s'éclater 5 minutes. Parce que oui, je fais des trucs au crochet, mais je fais des couvertures. Je fais pas ça. Et oui, parce que moi, c'est ma maman qui m'avait appris à tricoter et à faire le crochet, mais on n'a pas eu le temps de faire plus. Mais bon, on va essayer de se débrouiller comme on peut faire. Attends. Écrire rapidement. Oui. Alors, on va voir. Bon, bah écoutez, moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine. Et profitez bien de vos dernières semaines de vacances. Et moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous.